Et bonjour, aujourd'hui nous voilà partis pour une nouvelle petite session de C, dans laquelle nous allons nous amuser à voir comment on peut faire ou comment on peut mettre en place dans ces applications un système de plugins. Alors les plugins, vous connaissez très probablement ça, ce sont des petits modules que vous pouvez rajouter à chaud à certaines applications, afin de leur généralement leur rajouter des fonctionnalités. Alors, justement, c'est assez intéressant puisque si on regarde ça du point de vue du programmeur, un plugin, c'est finalement un ensemble de fonctions écrites qu'on doit pouvoir charger ou bien entendu décharger de la mémoire à chaud, c'est-à-dire sans arrêter son programme. Alors, ce stream fait directement suite au stream précédent qui portait sur les librairies, puisque nous avions vu les librairies statiques, les librairies dynamiques, et un plugin, au final, n'est qu'une forme, pour pas dire n'est qu'une librairie dynamique. Bonjour Bonnatsu, bienvenue à bord. Donc, je vous propose aujourd'hui de regarder un petit peu comment on fait ça en C, et vous allez voir, ce stream devrait être assez court, parce qu'au final, c'est relativement simple. Avant de commencer, petit rappel très très rapide du dernier stream. Dans le dernier stream, je vous avais montré pour la façon de faire des librairies dynamiques, c'est-à-dire des librairies qui vont être linkées à votre programme uniquement lors de l'exécution du programme et non pas lors de la compilation. Donc ces librairies, on en avait fait une petite ici. Voilà, alors si on se rappelle un petit peu de ce que nous avions fait. Nous avions fait une petite librairie qui ne contenait qu'une seule fonction. Bon, c'était une librairie bien pauvre, on est d'accord, mais le but c'était d'illustrer les choses, qui s'appelait message. Et cette petite fonction message ne faisait qu'un printf, somme toute, ma foi, assez banal. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. Plus intéressant, nous avions le makefile qui permet de compiler ce fichier-là sous forme d'une librairie. Donc, on avait vu que les librairies dynamiques portaient généralement une extension en .so. Voilà, même si je vous rappelle que sur un système Unix, l'extension des fichiers n'est là que pour vous faire plaisir, hein, on est bien d'accord. Et surtout, qu'il fallait deux petites options qu'il ne fallait pas oublier. Le moins fpic lors de la phase de compilation, que vous voyez ici, qui permet en fait de préciser que le code doit être repositionnable. Et le moins shared lors de la phase de linking, qui permet de préciser que ce que vous voulez générer, ce n'est pas un exécutable, c'est une librairie partagée, une librairie dynamique. Voilà, donc jusque-là, tout va bien. Maintenant, la grande question est comment est-ce qu'on utilisait ça? On va vérifier que ça compile toujours, hein, que je n'ai pas fait de bêtises entre-temps. Hop, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai bien un fichier libmessage.so qui se génère et qui est correctement daté, donc je n'ai pas fait de bêtises. Allons voir un petit peu un programme qui utiliserait une telle librairie. Donc dans ce programme, qu'est-ce qu'on fait? Hop, 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 excusez-moi. On se contente d'inclure le header de la librairie, afin que la prédéclaration de la fonction soit correctement effectuée et que mon compilateur sache qu'il existe une fonction qui s'appelle message, qui renvoie void, qui prend rien en argument. Et que, ensuite, on pense bien à linker cette librairie à la fin. Vous voyez ici le moins l message qui permet de dire, voilà, quand je vais construire mon exécutable, la librairie message fait partie des sources à utiliser pour générer l'exécutable. Petit rappel également, le moins grand L qui est là permet de préciser des chemins dans lesquels les librairies vont être recherchées. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, rien de bien nouveau sous le soleil. Néanmoins, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est un plugin, c'est-à-dire on veut être capable d'utiliser une librairie, par exemple la libmessage, mais sans la linker à la compilation, puisqu'au moment de la compilation, je ne sais pas encore quel plugin vont être utilisables ou quels plugins vont être disponibles. Imaginez par exemple, vous êtes programmeur et vous développez un logiciel comme Firefox, il est impératif qu'au moment où vous compilez Firefox,
vous ne soyez pas en train de dire, ah, il y a tel plugin, tel plugin, tel plugin, tel plugin possible, avec toute la flopée de plugins qui existent sous Firefox. Donc on va se contenter de donner une forme générale au plugin, c'est-à-dire un nombre de fonctions avec des noms, des arguments, et tous les plugins que nous allons utiliser devront obéir à ce format. Maintenant que les choses sont un peu écrites, définies, disons, plutôt qu'écrites, attaquons tranquillement. Donc, je vais commencer par récupérer la librairie que nous avions fait lors du stream précédent. D'ailleurs, je me suis rendu compte à l'instant que je n'avais pas encore publié le Git, donc je vous le ferai promis. Hop, tac, 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 stream 4, programme, basique, lib, voilà, et on va le récupérer ici. Je vois qu'on me demande pourquoi Seb05, simplement parce que c'est le cinquième épisode de ce stream, voilà. On est des gens simples, hein, donc on numérote juste les épisodes. Ensuite, une fois que ceci est fait, on va modifier un petit peu notre librairie, juste un tout petit poil, histoire de donner un exemple un peu plus complexe. Ça ne changera pas grand-chose. Mais on va se définir deux fonctions. Une fonction bonjour et une fonction hello. Voilà. Et nos deux petites fonctions, eh bien on va faire une fonction bonjour ici qui va dire, vous vous en doutez, bonjour. Voilà, il suffit juste, là ici tout ce qu'on veut c'est un petit exemple, c'est pas, on ne va pas faire des choses très compliquées. Et on va se créer une deuxième fonction, hello, voilà, qui affiche hello world. Très bien. Parfait, ça c'est fixé. On recompile, tout se passe bien. Donc j'obtiens un libmessage.so, excusez-moi, et mon libmessage.so contient. Ah, je suis assez surpris par ce que je vois. Ah non, excusez-moi, j'avais raté. Donc il contient bien un symbole bonjour, un symbole hello. Donc a priori, c'est pas mal. Mes deux fonctions sont bien dans ma librairie. Parfait. Vous venez de faire un plugin. Voilà. Un plugin, c'est ni plus ni moins qu'une librairie dynamique. Faisons maintenant un petit programme pour accueillir notre plugin, le charger et bien entendu utiliser les fonctions. Alors on va repartir également de la base de la dernière fois. Hop. Ouais, on va penser à mettre l'option récursive sur le copy, ça marchera beaucoup mieux. Parfait. On rentre dans notre exemple d'utilisation. Oula. Ouais, excusez-moi. Ça sera mieux comme ça. Parfait. Donc là-dedans, si je nettoie un peu ce bazar, j'ai un main.c, un makefile. On va éditer le main.c avant. Et on fera le main.file ensuite. Donc notre objectif maintenant, c'est surtout de ne plus linker avec la libmessage. Ça, on ne veut plus. Ce qu'on veut, c'est pouvoir charger la librairie à la demande, je dirais, quel que soit son nom, tant qu'elle fournit les bonnes fonctions. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Il existe une librairie qui est standard sur les Linux, qui s'appelle la librairie DL, la libDL. C'est elle qui, en fait, va faire tout le boulot.
Son header, c'est dlfunction.h, dlfcn.h, qu'il va donc nous falloir inclure dans le main. Donc ici, ce n'est plus message qui n'est pas supposé installer sur le système, mais la librairie standard dlfcn.h. Voilà. Donc, cette fonction, eh bien, elle ne va pas être très très compliquée. Enfin, cette librairie, elle ne va pas être très très compliquée. Elle nous propose quatre primitives. DLOpen, qui va nous permettre de charger la librairie qu'on désire en mémoire et de s'en servir. Jusque-là, tout va bien. DLSim, qui va nous permettre de récupérer certains symboles, c'est-à-dire certaines ici fonctions, de ma librairie dynamique dans mon programme appelant. Donc, le programme que j'ai là à gauche qui doit utiliser mon plugin. Et comme c'est le cas souvent, quand j'ouvre quelque chose proprement, eh bien je dois le fermer avec dlclose. Voilà. Donc vous voyez, on va utiliser 3 des 4 fonctions qui sont proposées. Hein. Il n'y a pas grand-chose de magique là-dedans. Alors, pour l'utiliser, pour avoir le droit d'utiliser cette librairie, il va bien entendu falloir linker avec elle. Donc, je ne vais pas linker avec la librairie message, ça va sans dire. Mais je vais linker avec la librairie DL. Donc, c'est le but. Donc, si tout va bien, voilà. Allons-y gaiement. Donc, première étape, ouvrons notre librairie. Donc, c'est la fonction DLOpen. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas s'il va nous en dire plus. Si, voilà. Donc, DLOpen, son objectif, hein, c'est ni plus ni moins que de charger cette librairie dynamique en mémoire. Si je lui fournis le nom de fichier, jusque-là tout va bien. Et elle va me renvoyer ce qu'on appelle un handle, c'est-à-dire un descripteur. En gros, une structure opaque pour moi, mais que je vais donner à chaque... comment dire, à chaque appel aux fonctions faisant partie de cette librairie-là, notamment à la fonction dlsim. Donc, on va donc ouvrir avec ceci. Donc, mon petit handle, vous le voyez dans la doc, c'est un void étoile, donc c'est un pointeur non typé. C'est pas à moi de savoir ce qu'il y a en dessous, donc ça me convient parfaitement. Et donc, je vais le récupérer sur un dlopen. Donc, je dois donner sur le dlopen un nom de fichier. Très bien. Point slash message.so, vu que c'est la librairie que je souhaite ouvrir. Et ensuite, des flags. Alors, les flags, ils doivent être une composition des flags qui sont ici. Vous le voyez. Or, bon, il y en a plusieurs, etc. On va faire les choses assez simplement pour l'instant. On va utiliser ce qu'on appelle un système de liaison paresseuse. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcer la vérification de la librairie et des symboles qui sont dedans. On ne vérifiera les symboles et on ne chargera les symboles que quand on en a besoin. Et on va également... Alors... Tac, 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 tac. Généralement, je le mets en RTLD global. Voilà. C'est-à-dire que simplement, bon, bah voilà, les symboles définis sont disponibles même pour les futurs chargements de la bibliothèque, ce qui me va très bien. Là, en l'occurrence, ça juste marche. Quand on a fait ça, eh ben forcément, avant de partir, on est quelqu'un de bien, il faut penser à fermer ce qu'on a ouvert. Et pour le fermer, hop. Vous le voyez, je me contente de lui donner le handle, donc le petit pointeur que j'ai récupéré en ouvrant, pour bien savoir laquelle je ferme. Il est tout à fait normal, logique, voire même classique, qu'on puisse ouvrir plusieurs librairies, plusieurs plugins en même temps dans un même programme. C'est bien pour ça qu'il existe des handles. Dans ce cas-là, on a simplement un handle par librairie qu'on a ouverte. Bon, parfait. Jusque-là, tout va bien. On va vérifier déjà que ça fonctionne. Hop, ça compile en tout cas.
Et ça, ah, ça nous fait un joli message d'erreur. Alors, pourquoi ça nous fait un joli message d'erreur? Bon, je le devine assez facilement. Bah, c'est simple, hein. On lui a dit de charger une librairie. Et comme on a précisé, je crois que c'était dans le chemin courant, sauf erreur de ma part, voilà, j'ai dit point slash message.so, bah, la moindre des choses, ce serait que la librairie soit au bon endroit. Donc, on va copier. Hop, libmessage.so ici, et déjà, je pense que ça ira un peu mieux. Non, toujours pas. Pourquoi donc? Vérifions un peu ce que j'ai fait. Eh bien, je me suis trompé dans le nom du fichier, puisque c'est certes la librairie message, mais le fichier s'appelle bien libmessage. Voilà. Donc là, il ouvre, il ferme, il n'y a pas d'erreur. Ceci étant dit, ça montre quand même qu'on a un peu fait les choses comme un cochon. C'est-à-dire que la librairie est quand même censée nous renvoyer proprement un petit handle. Voilà. Et ça ne coûte quand même pas grand-chose de traiter l'erreur si jamais il y a une erreur de chargement. Donc on va le faire. Hop. Tac. Voilà, je m'assure simplement, si jamais le handle vaut 0, bah c'est que le. C'est que le, comment dire, le chargement de la librairie ne s'est pas bien passé. Donc là, on est pas mal. Leur laisse des libs, c'est jamais une mauvaise idée. Ok, donc si j'exécute là, il n'y a aucun problème, il arrive à le trouver. Si j'exécute alors que le plugin n'est pas ici. Voilà, on a bien une gestion propre de l'erreur cette fois-ci, c'est-à-dire que je ne sors pas comme un gros sauvage. Ah, Alex nous dit trois trucs qui se prononcent pareil. Handel identifiant, Handel le compositeur allemand du 18e et Handel le poulet à mettre sur le grill bavarois. Ah, bah, je ne connaissais pas le dernier, tiens. Alors, retournons à nos poulets. Et voyons voir maintenant, charger la librairie c'est bien, mais ce qu'on voudrait forcément c'est réussir à aller chercher le symbole à l'intérieur, c'est-à-dire récupérer la fonction. Donc ce qu'on va chercher c'est la fonction dlsim qui nous permet de charger un des symboles. Alors, comment fonctionne cette dlsim? Bah, c'est pas très compliqué en fait. On doit lui donner le handle, toujours la même chose, donc la petite structure propre à la librairie qu'on vient d'ouvrir. On doit lui donner le nom du symbole qu'on veut charger, c'est-à-dire dans notre cas, tout simplement, le nom de la fonction. Et on va récupérer visiblement un pointeur. Donc, qu'est-ce qu'on récupère? Ben, c'est une adresse associée à ce symbole, donc pour nous, vu que ce sont des fonctions qu'on veut utiliser, ce sera des pointeur sur fonction. On y va. Alors, créons-nous un petit pointeur sur fonction. Donc, c'est une fonction qui renvoie un void qu'on va appeler étoile, je sais pas moi, fonction bonjour, puisque c'est celle où je veux charger le symbole bonjour, qui prend rien. Voilà. Alors, ma syntaxe, je ne suis pas sûr du tout qu'elle soit bonne d'ailleurs.
Variable inutilisée, ça me va. Et on va donc ici initialiser mon pointeur grâce à l'appel dlsim. Donc je dois toujours lui donner le handle et je dois également lui donner le nom de la fonction que je désirais charger. Voilà. Si tout ça fonctionne, ce sera déjà pas mal. Alors, attention, variable fonction bonjour définie mais non utilisée. Oh, tu te fous de moi? Oui, bon, voilà, on est d'accord. On a le droit d'appeler la fonction, ça coûte rien. Voilà. Si tout a marché, je lance mon test. Forcément, la librairie n'est pas là. Je récupère la librairie. Je la copie ici. J'ai bien mon programme qui charge dynamiquement la librairie libmessage.so et qui ensuite, eh bien, tout simplement, va appeler la fonction à l'intérieur, tout comme elle le ferait en temps normal. Donc, ça correspond exactement à ce qu'on voulait. Voyons voir si on peut en charger une seconde. Hop, on va se définir un second pointeur. Je vais l'appeler fonction hello, vu que le but c'est de charger la fonction correspondant au symbole hello. Même chose ici. Je vais aller piocher dans la librairie que je viens de faire le bon symbole et je vais récupérer le pointeur pour ensuite m'en servir. Donc là, je vais appeler d'abord la fonction bonjour, puis la fonction hello. Pardon, si j'exécute la librairie, forcément, c'est un peu débile mon truc. Voilà, vous voyez, j'ai bien les deux fonctions qui s'appellent l'une après l'autre. Tout se passe exactement comme prévu. Bon, tout ça est bien beau, mais est-ce qu'on peut, vérifier qu'il s'agit bien d'un système de plugin, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un système dans lequel je peux charger à chaud plusieurs versions du module, d'accord? Des versions qui, on peut l'imaginer, feraient des choses différentes. Eh bien, nous allons créer une seconde version de notre module. Voilà. On va rentrer dans lib2. On va modifier tout ça. Ce qui est très important, bien entendu, c'est que les symboles que j'exporte doivent bien porter les mêmes noms et les mêmes signatures. Donc c'est bien une fonction bonjour, une fonction hello. Et s'il y avait eu des arguments ou des types retournés, eh bien entendu, il fallait que toute la signature de la fonction soit bien la même. Je vais modifier le makefile juste pour que la fonction ne s'appelle pas de la même manière. Hop. L'appeler libmessage2 de façon très très originale. Voilà, je viens de compiler une deuxième librairie. Je vais la récupérer à son tour. Et la coller avec mon programme. Voilà, j'ai donc deux versions du plugin, libmessage et libmessage2. On va modifier un petit peu mon main.c, tout simplement pour récupérer par la ligne de commande le nom de celle qu'on veut charger à l'exécution.
Voilà. Donc maintenant, si j'exécute test en lui demandant de charger libmessage. Hop, pardon. .so, il charge bien la première. Si par contre je lui demande la seconde, il chargera bien la seconde et mon code ne link ni avec l'une ni avec l'autre. Donc vous voyez, on a fait un petit système élémentaire de plugin, bon, vraiment élémentaire hein, dans ce cas-là. Mais ça vous montre l'idée, c'est-à-dire qu'on peut en fait générer des librairies qui sont totalement inconnues entre guillemets au moment de la compilation. Tout ce dont on a besoin d'en connaître, c'est l'API, l'interface, c'est-à-dire comment s'appellent les fonctions, comment s'appellent les symboles en fait, et quels sont les arguments, quels sont les types de retours exigés par ces fonctions-là. Cette interface que doivent proposer nos modules doit être la même pour tous les modules qu'on va charger au travers de DLOpen, en tout cas pour les modules qui doivent être interchangeables entre eux. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est une petite illustration qui permet de clôturer bien notre petite intervention sur tout ce qui était librairie statique, librairie dynamique, et vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Le système de plugin en lui-même, il n'est pas mis en place très fréquemment. Généralement, il est mis en place lorsque vous avez des fonctionnalités de votre logiciel que vous voulez pouvoir adapter ou quand vous voulez faire jouer la collaboration entre développeurs. C'est-à-dire que vous mettez au point une super application et vous voulez que d'autres développeurs puissent apporter leur brique à l'édifice sous forme de petits modules qui seront chargés à volonté. J'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À très très bientôt. Et puis, bah, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous faites des petits programmes ou des choses comme ça, à m'envoyer. Je suis curieux de voir comment vous utilisez tout ça. Puis on vous fera un peu de pub ici. Bon, on n'a pas une super grosse audience, mais ce sera déjà ça. Amusez-vous bien. À bientôt.